Patrick Norris. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hunger Games post commentée sur le serveur MCPP avec le kit Gladiator, qui est mon kit préféré, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Vous savez déjà ce qu'il fait, mais je vais quand même pouvoir vous le réexpliquer si vous êtes nouveau, on va dire. Parce que quand même, les dernières vidéos post commentées que j'avais faites, c'était avec ce kit. Mais quand même, ça fait un bon moment que j'en ai pas fait, je vais vous l'expliquer pour les petits nouveaux. Donc Gladiator, en fait, c'est le meilleur kit de tous les Hunger Games au monde. Genre, vous pouvez pas jouer sans ce kit-là, c'est bandant, on se mentira pas, là, c'est génial, amazing. 2014 Premium +++, HD. Donc on commence avec un grillage en métal, et lorsqu'on va faire un clic droit avec le grillage, c'est un clic droit, on va être téléporté, nous, ainsi que la personne sur laquelle on va avoir fait un clic droit, dans une petite arène de verre comme celle-ci. Et on va pouvoir se faire jusqu'à ce que mort s'en suive. Après une minute de combat, on va avoir l'effet du Wither. Ça nous montre un, mais je sais que c'est beaucoup plus que un. Et comme ça, à partir de plus de 5 ou quelque chose comme ça, ça nous montre juste un. Comme exemple, si vous avez slowness 1000, ça va juste vous montrer slowness 1. Sauf que ça va être quand même slowness 1000. Et donc, comme celui-ci, j'ai lagué à mort. Donc, j'ai eu quand même de la difficulté à le tuer à cause de ça. J'y suis quand même parvenu, mais j'y stressais à un certain moment. Ben, je me suis dit, si j'avais un freeze genre qui durait 4 secondes, ben, j'aurais peut-être pu mourir à cause du freeze. Donc on va avoir l'effet de Wither. Bon, j'ai pas fini d'expliquer encore, c'est plutôt là. Avec l'effet de Wither, on va vraiment presque plus pouvoir bouger, puis on va perdre notre vie très très rapidement. Donc ça c'est fait pour terminer le combat. Et après, je crois, 2 ou 3 minutes de fight en Wither, on va être téléporté en bas. Donc, si on gladiator par accident notre ami, on n'est pas foutu. On va pouvoir juste attendre très longtemps et on va être des gladiators. Mais c'est quand même très long pour y arriver à ce résultat. Donc, faut quand même faire attention de ne pas gladiatorer nos alliés. Parce que bon, des fois, les personnes ne savaient pas qu'on pouvait être téléporté à l'extérieur. Donc, ils gladiatoraient. Je sais que c'est peut-être pas un mot gladiatorer, mais. Donc, ils gladiatoraient. Et les deux commençaient à se fight juste à cause que, ils se disaient, on va être pris pour s'affronter aussi bien se fight. Mais alors que non, on n'est vraiment pas obligé. D'ailleurs, les autres, il y avait deux, trois autres choses, je suis un petit peu tanné d'expliquer le kit, je crois que j'ai vraiment expliqué en détail. Il y avait une série que je voulais commencer sur la chaîne, donc c'est une série que déjà certains d'entre vous connaissent parce qu'il y a Besto qui fait cette série. C'est le Votre Gameplay, Mon Commentary. Pourquoi je veux faire cette série-là alors qu'elle se trouve déjà sur la chaîne de Besto? C'est pas parce que je veux plagier, parce que cette série-là, c'est moi qui lui ai proposé. C'était quand c'était le bac en France, alors j'étais en convoi avec Besto et il m'a dit: ah, mec, je n'arrive pas à faire de vidéo, je suis trop occupé avec le bac, c'est super long à filmer plus faire le montage. Et là, ça faisait un moment que j'avais eu cette idée-là, mais j'avais pas. C'était dans le temps où je faisais plus trop de vidéos aussi, et j'avais pas envie de faire que des vidéos comme ça, parce que ça aurait été les seules que j'aurais pu faire. Donc, je la faisais pas encore. Mais j'avais eu l'idée de faire cette série-là quand j'allais recommencer, mais je lui avais proposé de la faire, comme pour le dépanner, en attendant qu'il ait plus de temps pour faire ses vidéos. Donc, j'ai proposé qu'il puisse faire cette vidéo-là, cette série-là, ça me dérangerait vraiment pas. Mais je garde quand même le droit d'auteur et je peux pouvoir faire des vidéos comme ça sans pour autant me faire accuser de plagiat. Parce que bon, à la base, c'était mon idée. Donc, pour les critères pour avoir rentré dans une vidéo comme ça, ce que vous allez avoir, puis on va expliquer ce que vous allez avoir premièrement. Vous allez avoir votre gameplay sur ma chaîne, votre chaîne dans la description, une dédicace, un peu parler de. Je vais un petit peu expliquer qu'est-ce que vous proposez sur votre chaîne. Et en plus, si vous faites un beau gameplay, vous faites 15 kills, les gens vont voir que vous êtes un très bon joueur. Et ça va donner encore plus envie de s'affronter. Les gens vont déjà avoir. De s'abonner, je veux dire, pas s'affronter. Et ça va donner quand même déjà plus envie aux personnes de s'abonner à votre chaîne. Donc ça fait quand même un assez bon coup de peu. Et ensuite, pour participer, vous avez juste un contact. Premièrement, record une game avec le kit que vous voulez. Idéalement, une game avec beaucoup de kills, je veux de l'action parce qu'il y a juste une game où il y a juste
courez tout partout dans la map avec 0 kill sauf à la fin. Non, vous restez campé, il se fait tuer par un creeper. Le gameplay de l'année, où est ton frère? Donc, bon, ça serait pas éligible. Donc, ce serait peut-être une dizaine de kills avec des beaux kills, ou dépendamment si les kills sont beaux. Mais l'upload sur YouTube, idéalement faire un petit montage, genre juste les accélérer entre les kills. Et Avoir une ensuite, grosse bite. avoir une grosse bite, évidemment. Et l'upload sur YouTube et m'envoyer le lien de la vidéo sur mon Skype Habbo, qui est dans la description de toutes mes vidéos. Donc, vous avez juste à m'ajouter, j'accepte absolument tout le monde. Je parle souvent avec les abonnés. Depuis quelques jours d'ailleurs, je parle vraiment, vraiment souvent avec les abonnés. Genre, je suis connecté presque autant sur mon Skype Habbo que perso. Parce que bon, je me suis dit, tant qu'à recommencer la chaîne, je vais parler plus souvent avec les abonnés. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à ça? Par rapport à la nouvelle série, c'est à peu près tout. Genre, vous avez juste à filmer le gameplay, faire une belle game et faire un petit peu de montage, mais c'est pas obligé, mais c'est beaucoup mieux. Et quand vous me l'envoyez sur Skype, faites juste me dire qu'est-ce que vous avez fait de beau dans la game. Genre, exemple, le nombre de kills, s'il y a eu une belle action, genre un 3v1 que vous avez tué. Supposons que c'est un 3v1 alors que vous étiez full fer et vous avez affronté trois personnes no stuff qui étaient en Steve sans soupe. Bon, pas obligé de le mentionner. Si c'était un genre un beau fight, ben, c'est bon d'être mentionné. Ou si vous affrontez une star ou quelqu'un genre vraiment un V1 épique qui dure quelque chose comme 4 minutes, ben, ça vaut la peine quand même, même si genre c'est pas beaucoup mais c'est même si c'est pas beaucoup de kills, ben ça reste que un V1 épique, ben c'est toujours beau à voir. Même si c'est pas contre une star, même si genre contre Jean-Kev PGM. Ben, ça va quand même être beau à voir. Et ensuite, je voudrais que pouvoir voir de l'ancienneté. Ce que je veux dire par là, c'est des personnes qui sont genre que ça paraît que c'est des bons joueurs, des joueurs anciens, donc qui ont des refills corrects, genre qu'on soit pas toujours en train de voir ah, il a fait une erreur à cet endroit-là, il a fait une erreur à cet endroit-là. Parce que moi, quand je regarde des gameplays, que je vois que la personne est vraiment pas mauvais, mais qu'on sent aucune habitude dans les AG, qui arrête pas de dropper des balls, qui se craft mal, qui réfléchit vraiment pas bien en AG. Bah, moi, ça me saoule un peu. Je ne voudrais pas avoir à proposer ça à mes abonnés. Donc, vraiment essayez. Si vous êtes plus un ancien ou que ça paraît que vous avez de l'habitude, ça va toujours être un plus pour vous. Ensuite, par rapport à ça, je crois que c'est terminé. Et par rapport au gameplay, bah, je sais pas si je vais parler. Je crois que j'ai rien dit à propos au gameplay. Donc, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, j'ai utilisé mon épée pour tuer des gens. Je pourrais faire un tuto prochainement là-dessus. Ah non, ça je vais pas le dire, je passe pas. Le quoi, monsieur? Non, pas ça. C'est pas Ah. ça qui est. Bon, il y a quelqu'un à côté de moi pour ceux qui l'auraient pas remarqué. C'est poulet. Ah, il y a un poulet qui est là pour m'épauler dans mon commentary, mais j'y ai dit de pas parler. Je Sinon, pense j'allais le pas. faire rôtir. Ouais. Il y a vraiment plus grand chose à dire. Là, on va commenter un petit peu le gameplay parce qu'il y a encore de l'action. Donc là, je suis allé au fist parce que je trouvais que la personne dans le tour, ça me tentait pas de me faire chier à la détourer. Je sais que c'est même pas un verbe. Mais je voyais qu'il restait pas énormément de temps avant le fist. Je me suis dit, je vais aller attendre au fist, il va sûrement y avoir des personnes. Et j'ai eu raison, il y avait des personnes au fist. Donc là, je commence tout de suite à me fight. Ben, tout de suite, tout de suite, il y a 30 secondes. Là, je l'ai dit un peu en retard. Et j'ai fini par le tuer. Ça n'a pas été trop dur. Je crois que j'ai utilisé 2-3 sauts. Ensuite, il y a encore l'autre qui était là. Là, je le poursuis. Je le gladiator. Et c'est aussi très bon anti. C'est bon anti-tour, anti-personne qui court, anti-team, anti toutes les choses qui font chier. Pour être bien franc avec vous. Ensuite, j'ai vu l'autre qui est en haut. Donc, j'essaie de monter. Il y a l'archer qui me fait chier. Je pousse l'archer. Là, j'avance. Je pousse l'autre archer. Oh. Genre, beaucoup de fêtes d'archers. Sincèrement, GG aux archers. Ils ont vraiment bien géré, surtout les refills, donc des très beaux refills d'archers. Donc là, on s'affronte. Je crois que c'était une team parce qu'ils semblaient tous avoir exactement les mêmes morceaux d'armure, sauf lui qui avait des bottes en cuir de plus. Donc, mais il y avait tous pantalons plastron en fer. Donc s'il était bel et bien une team, je crois que je serais mort parce que j'avais pas de chance contre eux. Il y avait des soupes. Bon, ils étaient pas très bons, mais
comme il y avait des soupes et s'ils s'étaient reliés, ben, ouais, relayés. Puis là, il y a l'autre personne qui m'attaque, et je le prends. Et là, j'ai pris un knockback trop bizarre exactement au moment où je suis allé dans la cage, en fait, et qu'il y avait... Genre, on s'est affronté, il m'a tapé dans le dos, mais je l'ai... Gladiator au même moment avec les lags, et comme il y a une épée knockback, ça va me faire voler super loin. En tout cas, c'était vraiment bizarre. Mais j'ai trouvé ça drôle, genre, d'être propulsé vers lui dès le début du fight. Tu vois, je me suis dit, c'est un signe de destin. Le destin me propulse. C'est ça, je commence à plus rien avoir à dire. J'ai juste vu qu'il me reste genre 4 minutes. Bon, ok, poulet, quelque chose à dire. Ouais. Le savez-vous que quand vous mettez vos deux bras de chaque côté allongés, c'est la taille que vous faites réellement. Du bout des doigts à l'autre bout des doigts. J'ai une question. Ok. Est-ce qu'on leur dit que peut-être? Ok, éventuellement, cette semaine, je vais faire un stream sur Twitch. Avec moi! Avec lui et peut-être quelques autres personnes. Ben, pas peut-être. Des gens. Ouais, des gens. Sur Minecraft, je sais pas, on va peut-être faire autre chose que du Minecraft. On va sûrement regarder des vidéos stupides parce qu'il me connaît. Ensuite, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire d'autre, mais on va peut-être le faire. Mais c'est peut-être, mais si c'est sûr qu'on le fait, on va sûrement faire une vidéo. Si c'est officiel, je fais une annonce officielle et tout, vous allez être mis au courant, je vais vous donner l'heure. En mode professionnel. Oh ouais, je vais faire ça full pro, là. Genre, je suis un esti professionnel. Ok, bon, je suis conscient que ma chaîne, c'est pas professionnel, pas en tout. Ben, je crois que c'est ce que les gens aiment. Ouais, genre, l'autre jour, je me posais la question, est-ce que vous appréciez que ma chaîne... ce soit vraiment pas du contenu professionnel, ce soit un peu fait genre, juste ça, que ce soit comme, ça paraisse que ce soit juste fait par un joueur et non quelqu'un genre qui est super super tatillonneux sur YouTube, qui fait tout à la perfection, qui prend YouTube vraiment à cœur, ou, ben est-ce que ça vous fait chier que je sois pas genre, à prendre YouTube super au sérieux, ou bien vous appréciez, ben, faites-le moi savoir dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Ce que tu fais. Ouais, donc là, il y a une petite tour de marde. Fait que je place de l'eau pour pas mourir de chute quand je vais monter. Et cette tour-là, elle m'a fait chier longtemps. Là, j'ai essayé de faire un petit tir d'archer, mais bon, ça a pas fonctionné, c'est triste. Alors, je continue de placer de l'eau. Je me suis fait des sources infinies pour ceux qui connaissent pas, mais bon, je sais pas, tout le monde le connaît. Là, j'essaie vraiment de couvrir une longue, large zone. Une longue zone comme ma bite. Ensuite, je monte un petit peu dans l'arbre, je vais placer ensuite l'eau sur l'arbre pour que ça se répande vraiment bien. C'est une bonne façon de placer l'eau assez large. Et là, je commence à monter, même s'il m'avait knockback dans une certaine direction, il aurait pu me tuer. Mais il m'a knockback et j'ai fini par tomber dans l'eau. Et il est arché, donc un arc knockback 1. Donc je prends énormément de knockback. À chaque fois qu'il me touche, ses flèches puis reviennent, donc c'est vraiment chiant. Là, je vais monter, je vais descendre, replacer de l'eau... Ah, sincèrement, ça m'a vraiment fait chier, ok? Ça, j'étais comme, non! Ça va pas me gâcher mon gameplay. Genre, en plus, je savais que j'avais beaucoup de kills. Ah, d'ailleurs, avec ce gameplay-là, j'étais tellement content. Parce que, avant de le faire, je me suis dit, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de carnage sur les MCPUP, surtout pas record. Enlève la musique. C'est pas ça, c'est parce qu'il me fait appeler. Ok. Arrête de te faire appeler. Puis, ouais, fait que je me suis dit, ouais, il faudrait que je fasse un carnage. Ça fait full longtemps qu'il n'y a pas eu ça sur ma chaîne. Et, fait que je me suis dit, je m'en vais en nager. Puis, juste avant, je me suis dit, l'idéal, ce serait que je fasse 16 kills. Ce que je visais, c'était genre les 16 kills. Et première game, je fais 16 kills. J'étais genre, yeah, c'est-tu que je fais? Moi, je dis Nodus. Ouais, clairement, j'ai utilisé Nodus dans cette game-là, c'est clair. Ensuite, là, je monte, il me tire, je place des petites protections, j'essaie de le tirer, je le rate, parce que donc, je suis on a fait le calcul, ça y a pris 10 minutes à tuer la personne. Ouais, ouais, ça m'a pris 10 minutes pour le tuer, c'était vraiment chiant. Ok, attends, là, c'est bon, bientôt, ah non, pas tant bientôt, ça. Oh, non, c'est pas encore là, attendez, ok, là, ça mérite que j'arrête de parler, okay, c'est juste trop beau quand je le tue. Ok. T'as vu, god, t'as fait même un... Ouais, j'ai fait le bruitage, là, je crois qu'il est fort. J'ai fait un effet spécial de bouche. Ouais, genre... Ouais, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous abonner à ma chaîne? Non. Le fait du poulet.
à laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, laissez un dislike, mais faites-le moi savoir pourquoi dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, il y a l'espace commentaire qui est prévu à cet effet. Sur ce, on se dit bye et à la prochaine.